Bonjour à toutes et tous, bienvenue en ce dimanche matin sur le circuit du Nürburgring pour la deuxième course de la GT4 European Series Northern Cup, la Coupe du Nord donc, de cette compétition européenne GT4. Et pour vous commenter cette grande finale du championnat, hein, c'est la deuxième course du sixième et dernier meeting de cette Coupe du Nord. Et bien pour vous commenter tout cela, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Laurent Mercier, le rédacteur en chef d'Endurance Info. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Merci de nous rejoindre en ce dimanche matin. Il a fallu vous sortir du lit, mais non, ça va. Vous êtes, non, ça va. Vous êtes, devrait s'en sortir. Vous êtes bien en forme. Fait un peu frisqué hein, ce matin. Il fallait oui, mais pas d'eau. Se réveiller. Mais il ne pleut pas, effectivement. Et ça, c'est important pour la grande journée de GT qui nous attend ici aujourd'hui avec la finale de ce championnat GT4 Nord. Donc, pour commencer, et puis nous aurons. Bien sûr, également dans le courant de cet après-midi, la finale de la Blancpain GT Series Sprint Cup avec un départ qui sera donné à 15h30. Mais avant cela, le GT4 Nord donc sur ce circuit du Nürburgring avec une course qui a été limpide hier, une première course limpide hier, Laurent, et la domination d'un équipage, 12 degrés, vous voyez la température de l'air, 17 la température de la piste, la domination d'un équipage qui a survolé les débats hier. Oui, exactement, on a une course assez tranquille, hein, de la BMW Ecris qui a mené de bout en bout les débats avec Max Kubelt et Ricardo Van Der Ende. Donc cette course-là du dimanche, donc on va voir les pilotes professionnels, les pilotes les plus aguerris du moins, prendre le départ. Donc on espère que la course va être un petit peu plus animée que celle d'hier. Mais hier, c'est Max Kubelt qui a tué tout suspense, le jeune néerlandais de 19 ans qui était parti depuis la pole position et qui a directement creusé l'écart. Max Kubelt, ils sont déjà champions silver, hein, ces deux-là, Max Kubelt et Ricardo Van Der Ende, qui ont accumulé les victoires et les podiums depuis le début de cette année. 4 succès avec celui d'hier, vous ajoutez à cela 4 deuxièmes places ainsi que 2 troisième position, ça fait 10 podiums en 11 courses. Autant dire que le titre est largement mérité pour un équipage, Laurent, qui était probablement le plus homogène aussi du championnat. Ouais, exactement, hein, c'est l'équipage le plus homogène de tout le plateau. Donc on a une voiture, la BMW Ecris, hein, qui est donc une initiative privée, hein, qui n'est pas développée, une voiture qui n'est pas développée par BMW Motorsport, mais une voiture qui a quand même de beaux restes face à la concurrence. On verra l'année prochaine avec l'arrivée des nouvelles GT4 si ce sera toujours le cas, mais il est clair que l'équipage néerlandais a un petit peu tué le championnat de par leur homogénéité. Oui, c'est GT4 qui explose véritablement dans le monde entier, hein, on le voit plus que jamais avec cette série GT4 Europe. Ici, il y a 37 équipages engagés. On voit la bonne santé du championnat de France FFSA GT également avec plus de 30 voitures depuis le début de cette année. Le GT4 qui s'exporte aussi aux États-Unis, en Asie. Exactement, GT4, hein, toujours sous l'égide de Stéphane Rattel, s'exporte un petit peu partout. On a des courses aux États-Unis avec beaucoup de voitures. On a des courses en Asie aussi. On sait que les Asiatiques commencent à investir de plus en plus dans les GT4. C'est des voitures qui sont plus proches de la série, qui sont plus faciles à piloter pour les gentlemen. Et évidemment, ça séduit bon nombre d'équipes. Donc c'est une catégorie qui est en train de suivre le même chemin que le GT3. Alors vous avez à l'image Marc Bassaigne, ni plus ni moins, l'ex-pilote officiel Audi, ancien champion du monde de GT1 également. Hein. Il avait été champion du monde en 2011, si je ne m'abuse, 2012, pardon, avec Marcos Winkelhock, c'est bien ça. Marc Bassaigne qui vient rouler ici avec cette équipe Schwed Motorsport. Il a signé le deuxième temps des essais qualificatifs, la pole position revenant au vainqueur d'hier, Ricardo Van Der Ende, le néerlandais, pilote très très rapide, hein, probablement un peu sous-estimé hors de son pays en tout cas. C'est un pilote qui avait, entre autres choses, il y a une petite vingtaine d'années, remporté le Formula Ford Festival de Brands Hatch, sorte de finale mondiale pour tous les championnats de Formule Ford à l'époque, qui était une compétition extrêmement cotée. Et Ricardo Van Der Ende s'était imposé là-bas. Depuis, il a principalement roulé. Il a roulé un peu en monoplace, il avait remporté une année un championnat de monoplace Formula Chrysler qui n'a pas existé très très longtemps, au tout début des années 2000, qui était censé être une formule de plus menant vers la Formule 1, si l'on peut dire. Il s'était imposé et puis il s'est fait que sa carrière a pris un petit coup d'arrêt. En tout cas, il s'est reconcentré sur le sport automobile aux Pays-Bas
Et puis ce championnat d'Europe, c'est une belle manière pour des pilotes nationaux, Laurent, on prend le cas de Ricardo Van der Rijn par exemple, de pouvoir s'exporter, de pouvoir se montrer au niveau international aussi. Exactement, puisqu'on a un plateau qui est quand même assez européen. On a des équipes françaises, hein, qui viennent se roder aussi sur ces meetings de la GT4 European Series Northern Cup. On a une équipe britannique, on a l'image, hein, l'Aston Martin, du Génération AMR Super Racing qu'on retrouve également en France, qui était à Manicourt la semaine passée. Et donc on a vraiment des pilotes qui peuvent se montrer, et tous les pilotes qui commencent à rouler en GT4, les jeunes pilotes. Donc un but évidemment, c'est de passer à l'étape supérieure, hein. Le GT4 est là pour ça, donc c'est-à-dire essayer de trouver un volant compétitif en GT3 et pourquoi pas de rejoindre un constructeur. Alors si vous avez l'habitude de nous suivre également sur le championnat de France FFSA GT ou la Coupe Sud, vous avez déjà vu cet Aston Martin numéro 144 de l'équipe Génération AMR Super Racing avec James Holder qui fait partie des dirigeants de la marque Super Rail, hein, d'où le lien évidemment entre ces voitures. Et puis Matthew George, pilote plus ou moins officiel Aston Martin, hein, qui teste beaucoup les voitures en GT4 effectivement, hein. On précise Matthew George, qui a signé le troisième chrono. Under Villarino, les Espagnols, c'est une équipe française. Le TFT Racing partira depuis la quatrième position, lui qui fait équipe avec Niki Ludwiller. Et là, on a à l'image une voiture qui a terminé quatrième de la première manche hier. Jérôme Demey et Julien Darras, avec Julien Darras actuellement au volant. Une dixième position sur cette grille de départ pour cette Art Car, voiture décorée, vous l'avez vu. Jérôme Demey qui est le champion Pro-Am de la saison dernière, hein, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Champion Pro-Am de cette... Non, champion Pro-Am. Champion Pro-Am, je pense. Du championnat Nord l'an dernier. Enfin, l'an dernier, on ne parlait même pas de championnat Nord. Mais c'était un championnat GT4 European Series, hein, puisque ouais. Cette année, on a la France qui vient débuter une série GT4. Voici la voiture numéro 15 de Dominique Schrammel. C'est l'autre voiture du Schwed Motorsport. C'est une première pour cette équipe qui vient pour cette finale GT4. Et qui se montre avec Marc Bassin. Ah, c'est sûr que quand on prend Marc Bassin directement... au Nürburgring, forcément, vous partez avec un avantage. Avec une Porsche Cayman Clubsport. Ça prouve aussi que le niveau de pilotage est en train de monter dans ces compétitions GT4. Et le niveau de pilotage ne cesse de monter. Je pense qu'il va encore monter encore plus l'année prochaine avec l'arrivée de nouvelles marques comme Audi, Mercedes et BMW. Donc on aura des voitures qui seront un petit peu plus typées racing par rapport à celles qu'on a en ce moment. Parce que là on a quand même des voitures, notamment la Porsche Cayman qui est quand même très très dérivée du modèle de série avec un ABS de série. Donc on a quand même beaucoup de composants qui sont issus de la voiture de route, hein, la voiture que vous pouvez retrouver sur les différents parkings autour des circuits. Donc là avec Mercedes, on sait que Mercedes a apporté un soin tout particulier à la Mercedes AMG GT4 avec un test d'endurance de 30 heures. Bon, après on peut toujours se poser la question de savoir si c'est quelque chose de positif de faire autant de tests pour une voiture GT4 qui est censée être peu chère et qui est censée être une formule d'appel. Maintenant, les constructeurs allemands rivalisent pour essayer de vendre le maximum de voitures. Donc évidemment, on essaie de mettre tous les atouts de son côté. Ils ont l'habitude, évidemment, de faire ce genre de choses. Vous avez vu Duncan Huysmans qui, avec Luc Brams, est revenu à 2 points du leader dans la catégorie Pro-Am. Un championnat qui va se jouer ici. Avant cela, on va retrouver Dakota pour une interview avec Max Kobold. Vous êtes en pole position. Vous avez eu une magnifique journée hier. Est-ce que ce sera de nouveau une journée où vous allez gagner aujourd'hui? Oui, on l'espère en tout cas. Il faut prendre un bon départ maintenant. Je pense que ce sera plus difficile. Hier, ils n'avaient pas pris un aussi bon départ que nous. Ici, on a une Porsche et une Aston Martin derrière nous. Ça va être un peu difficile, mais je pense que Ricardo peut le faire. Est-ce que vous avez une stratégie différente? Non. On va voir comment la course se passe. On va essayer de faire la même chose qu'hier, contrôler le rythme, essayer de créer un écart au début et puis ensuite contrôler la course. Mais ce sera plus difficile à faire qu'hier. Vous avez l'air cool et relax. Merci, disait Dakota Jane, Max Kobold, 19 ans, vu l'an dernier en GT3, Laurent, même les deux dernières années en GT3. En fait. C'est WRT notamment, hein. On l'a vu sur une Audi R8 LMS et du coup Max Kobold qui n'est pas parvenu à continuer en GT3 à haut niveau et du coup qui essaie de rebondir en GT4 pour pourquoi pas revenir évidemment très rapidement en GT3. On sait qu'il a le niveau, hein, c'est un pilote de talent, hein, Max Kobold, donc
peut l'objectif espérer étant de se faire repérer exactement, peut-être par un constructeur. Donc, voilà, exactement, ou par les équipes, donc pourquoi pas le revoir dès l'année prochaine en GT3. Il était aussi sur une BMW M6 GT3 du Roll Racing l'an dernier. En endurance. On se souvient, dans le championnat Blancpain Endurance, effectivement. Et voici, sur cette Porsche numéro 111, Razvan Umbrarescu. Razvan Umbrarescu, c'est le leader du championnat Pro-Am. D'habitude, il fait équipe avec l'Italien Gabriele Piana, mais celui-ci est absent pour cause de concurrence de date avec le championnat allemand de GT. Et c'est Henrik Stiehl qui est en place. Très belle performance de Razvan Umbrarescu lors des essais, puisqu'il s'est placé au 5e rang et devant Duncan Huisman, qui est son rival direct avec Luc Brams, évidemment, son rival direct pour le championnat Pro-Am. Je vous rappelle, 2 points seulement d'écart entre ces trois concurrents, puisque Luc Brams et Duncan Huisman, pardon, ont toujours été ensemble, donc ont exactement le même nombre de points. Mais il y a 2 points de différence, qui veut dire plus ou moins que celui qui terminera devant l'autre aujourd'hui sera champion de la catégorie Pro-Am. Et il y a un peu de suspense également pour la 2e place dans la Silver Cup, où Lennart Marionek, avec 193 points, en compte 4 de plus que Matt Nicole Jones et William Moore. Voilà pour les différents débats. Et en AM, et je termine par là si vous le voulez bien, Giuseppe Ghezzi, qui en s'imposant hier, s'est assuré du titre dans cette catégorie ADAM sur la Porsche Auto Orlando, qui n'est pas une Porsche Cayman Club Sport, mais qui est une Porsche 911, type 997 GT4. Exactement, ouais, c'est ça. Et à noter qu'on a 7 marques sur la grille de départ, dont 5 d'entre elles qui se sont déjà imposées depuis le début de cette année, avec dans l'ordre KTM, Porsche, Ginetta, qui avait gagné à Brands Hatch, et Chris, et Maserati, qui a remporté les 2 courses de Zandvoort, preuve de l'intérêt des débats, évidemment. Et les deux Porsche du team français CD Sport, qui ont souffert hier, toutes les deux d'une sortie de piste, ont été réparées, et donc vont pouvoir prendre part à la course. Donc team CD Sport a perdu ses 2 voitures en 3 minutes de temps. Donc il y en a une des deux qui a plus souffert que l'autre, mais... Donc les 2 voitures sont bien là, celle de Mathieu Cherui et Kevin Ball-Besançon. Et la 2e voiture est également sur la grille. Donc c'est la numéro 30, elle est sur la 11e ligne de la grille de départ. On aura soif de revanche. Hein, là, et la 31 est sur la 8e ligne avec Benjamin Ricci et Morgan Moulin-Trafort. On surveille l'horloge et effectivement c'est l'heure de la présentation du drapeau vert pour le tour de formation de cette épreuve. Alors on sait que la BMW se comporte particulièrement bien ici sur le Nürburgring. Ce n'est pas la voiture la plus légère, par contre c'est une voiture puissante qui a un empattement plus long aussi peut-être que ses adversaires. Un moteur turbo, ça fonctionne bien ici. Ouais, ça fonctionne bien ici, on a pu le voir hier. Bon, maintenant... Attention, parce que la concurrence est quand même rude hein, au niveau des premières lignes. On sait que Marc Bassing, est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, est loin d'être un débutant. Donc Ricardo Van Der Ende va devoir ruser pour essayer de franchir le premier virage en tête de la course. Et puis derrière, Matthew George bénéficiera lui aussi des bonnes performances de l'Aston Martin Vantage en ligne droite notamment. Et on va voir cette grille de départ d'ailleurs, vous l'avez sous les yeux. Ricardo Van Der Ende et Marc Bassing seront en première ligne. 2e ligne pour Matthew George sur l'Aston et Ander Villarino sur la Porsche de l'équipe française TFT. Razvan Umbrarescu sur la Porsche numéro 111 partira 5e. Duncan Huisman sur la McLaren en 6e position. 7e position pour Matt Nicole Jones, qui peut toujours prétendre au titre de vice-champion silver. Dominic Schrammel partira 8e. 9e place pour John-Louis Jasper sur la Porsche numéro 112 RN Vision. Et puis Julien Darras sur l'Aston Martin française, pratiquement. Enfin, c'est une équipe belge, mais c'est un duo français, Jérôme Demey et Julien Darras. Ils partiront avec l'Aston Martin Vantage numéro 7 depuis la 10e position. À noter la présence de pas mal de féminines également dans ce peloton, notamment Laura Krehammer, la sœur de Dominique. Oui, c'est d'ailleurs sa voiture hein, qui a réalisé le meilleur temps des KTM. C'est Cédric Freiburg-Haut, son équipier, qui a signé ce chrono et qui partira de là. Et puis un équipage 100% féminin, enfin on a même 2 équipages 100% féminins. Ouais. Un par la force des choses, puisque Manuela Gossner roule seule sur une Maserati. Manuela Gossner qui dispute habituellement le Ferrari Challenge Europe, c'est la Maserati numéro 93, elle partira 32e. Et puis on avait un 2e équipage 100% féminin. Ouais, Naomi Schiff avec Marilyn Niederhauser.
également sur une KTM. Et Naomi Schiff qui a signé le 30e chrono, donc deux places devant Manuela Gostner. Il y en a également Cora Schumacher, hein. L'ex-femme de Ralf Schumacher. Oui, qui partira elle depuis la 36e. Ouais, 18e ligne. 18e. Voilà pour les féminines de ce championnat. Preuve que le sport automobile n'est pas réservé aux hommes. Et on est ravis chaque fois de le rappeler. Allez. L'attention. Ce peloton, je suis en train de me dire, il manque des voitures. Oui, ouais. Elles arrivent. Certains qui ont effectué un tour de formation peut-être un peu moins rapide que les autres. On est attentif du côté des box. Oui, mademoiselle, c'est bien vous que l'on voit à l'image. Qui regarde la télévision et qui se dit « Je connais ce profil. Je le vois tous les matins dans le miroir. » Attention. Au départ, d'ici quelques instants... Il va falloir que le peloton se regroupe un petit peu. Oui. Regardez le ciel, plutôt... Ça devrait aller, oui. Même si ici on ne sait jamais. Plutôt optimiste, même si ici on ne sait jamais. On peut neiger d'ici 3 minutes. Hier, on a eu quelques gouttes de pluie juste avant le départ. Ouais. Et puis, finalement, la course a été intégralement disputée sur piste sèche. Il faut savoir qu'en cas d'arrêt, pour changer de pneu, il y a un temps minimum de 130 secondes. Et il y a un temps minimum aussi pour le pit stop obligatoire. On est parti pour une course d'une heure, 60 minutes avec un pit stop obligatoire entre la 25e et la 35e minute de course. Les feux sont au rouge lorsqu'ils s'éteignent. On est parti et c'est lancé effectivement Ricardo van der Ende qui va pouvoir profiter de la puissance de la BMW. Marc Bassin qui se fait déborder par ce n'est pas Matthew George, c'est Matt Nicol Jones qui a pris un excellent envol là-bas sur l'Aston Martin Vantage. Matt Nicol Jones qui partait depuis la 7e place et qui va virer en deuxième position. Marc Bassin est poussé. Et Marc Bassin qui a été poussé. Et la voiture de TFT également, la voiture d'Andrea Villarino qui est en bord de piste là. Et on avait aussi également, donc on a les deux voitures de Marc Bassin et Ander Villarino. Ça, c'était deux clients. Et regardez, trois Aston Martin Vantage comme à la parade. Avec l'excellente... Ouais, il y a une touchette là aussi, ouais, Julien Lara sur la voiture. Avec la deuxième voiture du Schwede Motorsport qui essaie de reprendre là, qui coupe devant l'autre caïman. C'est un numéro 15 de Dominique Schrammel. On est bien parti du côté de chez Aston Martin. Ouais, et quel départ surtout de Matt Nicol Jones. J'espère que ce n'était pas un trop bon départ d'ailleurs. Parce que partir 7e et être 2e au premier virage, ça n'arrive pas régulièrement. Même si on sait que l'un des points forts de cet Aston Martin Vantage est effectivement son accélération. Et regardez, on a un souci sur une des Porsche CD Sport encore. Hein. Un radiateur qui est troué. C'est un week-end à oublier chez CD Sport. Radiateur troué pour cette voiture qui va au mieux rentrer dans la voie des stands, au pire devoir s'arrêter en bord de piste. L'équipe de Claude Dégremont et Laurent Cazenave, décidément pas vernis ici pour ce meeting en Urbain, qui compte aussi pour une compétition européenne reprenant trois manches du Nord. C'est la troisième ici, il y avait Brandsach, Zandvoort et le Nürburgring. Et puis trois manches du Sud avec Pau qui a déjà été disputé. Et puis les deux dernières manches en date dans le championnat France FFS AGT, Barcelone et le Paul Ricard. Ouais, ce qui fait qu'on pourra s'attendre à avoir un plateau encore un petit peu plus garni pour le prochain meeting à Barcelone. Et on sera de même après au Paul Ricard. On espère avoir on va dire entre 30 et 35 voitures. Oui, alors que là on a un problème sur une des Porsche. Il y a une porte un petit peu d'air. Je crois que c'est une des RN Vision, mais je ne suis pas tout à fait certain, la 111 ou la 112. Il va peut-être falloir arrêter un moment là. C'est bien RN Vision. Testé. Alors quel numéro? Allons-y. 111, voilà, c'est la numéro 111 d'Henrik Stil et de Razvan Umbrarescu. Attention, Razvan Umbrarescu, c'est l'un des pilotes qui joue le titre dans la catégorie Pro-Am. C'était l'un des suspens qu'il subsistait au départ de cette course et qui pour l'instant subsiste encore, mais le suspense risque de ne pas durer très longtemps. Je doute fortement que l'on laisse Razvan Umbrarescu, le pilote roumain, poursuivre sa course comme ça, Laurent. Ouais. C'est sûr que si la voiture venait à perdre sa porte, ça peut avoir des conséquences pour ceux qui suivent derrière. Donc là, il va falloir que Umbrarescu. Et puis même rouler s'arrête. Sans porte, sans protection. Rouler sur le côté. Rouler sans porte, ça va être compliqué également. À Razvan Umbrarescu qui risque de voir le titre en Pro-Am lui échapper, lui qui était arrivé en leader de la compétition, qui a su conserver deux points d'avance hier après la première joute. Et là, on a la Porsche 31 qui rentre. La voiture CD Sport de Benjamin Ricci et Morgan Moulin-Trafford. De retour
dans la voie des stands. Elle n'est pas la seule, on a vu une KTM, je pense, également. Donc là, on s'active un petit peu entre les deux Aston Martin. Matt Nicol Jones en deuxième position. Matthew George juste derrière lui. On a deux équipes hein, et deux pilotes qui connaissent parfaitement cette Aston Martin Vantage GT4. Et pendant ce temps-là, on a vu que Ricardo Van der Ende ne les attend pas. Il creuse l'écart, c'est lui le plus rapide en piste pour l'instant, très clairement. À l'image, vous avez Grégoire de Moustier sur la Porsche numéro 4 Energy by ART. Grégoire de Moustier qui était 13e et Ander Villarino qui rentre maintenant. Oula, la roue avant droite, ça ne repartira pas non plus pour la Porsche TFT. Dommage pour Ander Villarino. Et c'est terminé, on voit l'Espagnol face à nous. Oula ! Et attention parce que ça c'est la Maserati numéro 77, pardon Laurent. C'est celle de Romy Dall'Antonia et de Giuseppe Fasicolo que l'on a vu planter dans le bac à gravier à un endroit qui semble être assez délicat. C'est l'impression que j'en avais en tout cas. Un équipage qui est deuxième actuellement du championnat AM avec cette Maserati Gran Turismo. Et la course est terminée pour la Porsche CD Sport de Morgan Moulin-Trafort qui est face à nous. Et terminée aussi pour Radovan Umbrarescu qui n'a plus qu'à souhaiter désormais, même si ce n'est pas très très sportif, que cette McLaren numéro 9 que vous avez justement à l'image pour l'instant, pilotée par Duncan Huisman, pilote néerlandais ô combien connu au plat pays. Le safety car est en stand-by. Ce qui veut dire qu'effectivement, on pourra avoir un regroupement. Ça ne ferait pas les affaires de Ricardo Van der Ende. Ça ferait les affaires des amateurs de spectacle que nous sommes, par exemple. Voilà, on n'avait pas envie de voir le Néerlandais creuser trop vite l'écart. Et voilà Ander Villarino, l'ancien triple champion de la NASCAR européenne, ancien champion d'Europe de la montagne également, qui dispute sa première saison en GT4. Et on voit cette Maserati qui est effectivement mal placée. Oui, si... Si on va avoir un pilote qui devait rater la courbe, ça peut avoir des conséquences. Romy Dall'Antonia. Et safety car. Safety car, neutralisation de cette épreuve. Ainsi, elle a décidé la direction de course, emmenée par William Watté. Et cette voiture de sécurité, cette BMW safety car qui va donc attendre le retour du peloton d'ici quelques instants. Bon, le pilote est indemne, hein, sans aucun doute, Romy Dall'Antonia, mais sa voiture est tout simplement posée dans le bac à gravier qui a donc tout à fait assuré sa fonction. Et on revoit le moment du départ ici, Ricardo Van der Ende. Et regardez surtout depuis la quatrième ligne, on a l'Aston Martin Vantage noir de Matt Nicol Jones qui surgit directement à gauche sur votre image. Qui accélère, Marc Bassin essaye de venir le tasser, la Porsche qui est peut-être un peu moins véloce au moment de l'envol, Laurent, un peu moins de couple et de puissance. Et du coup, Marc Bassin a essayé de passer au premier virage. Et, En fait, c'est Radovan Umbrarescu qui touche Ander Villarino. On qui lui, après, va toucher Marc Bassin. Et qui lui va toucher Marc Bassin. Qui était déjà un petit peu en dehors de la trajectoire. Du coup, ça fait 3 Porsches en moins. Une mayonnaise de Porsche Cayman là-bas, malheureusement, du côté du premier virage. Avec effectivement une réaction en chaîne, comme c'est souvent le cas d'ailleurs ici, dans le premier virage ici, sur le Nürburgring. Marc Bassin qui s'était déjà loupé un peu, hein, on l'a revu d'ailleurs ici, qui n'était pas sur la trajectoire optimale, le pilote allemand. Dommage, on aurait bien aimé voir Marc Bassin chatouiller Ricardo Van der Ende. Ce qui finalement n'a pas été le cas. On avait une petite touchette aussi entre Julien Darras et Dominique Schrammel sur l'autre Porsche du Schwed Racing. Du Schwed Motorsport, pardon. Quelques belles images, dont cette McLaren 570S numéro 9 du Las Moras Racing de Duncan Huisman et Luc Brahms. Commence à être de plus en plus présente hein, cette McLaren 570S GT4 qu'on a vu d'abord en British GT et qu'on retrouve maintenant, on en a plusieurs exemplaires en,
en GT4 Norson Cup. On a beaucoup aux États-Unis aussi. Un petit peu aux États-Unis. On commence à en avoir une en Asie aussi, notamment en Blancpain GT Asia, avec le team Clearwater qui a d'ailleurs gagné dès le premier meeting avec cette McLaren. Chouette voiture en tout cas. Et puis pas mal de variétés déjà, hein, Laurent, quand on voit le plateau GT4. Il suffit de voir à l'image la KTM Xbo. Qui est un peu particulière. Qui, ouais, notamment au niveau du cockpit de la voiture. On a voulu faire quelque chose d'innovant chez Reiter Engineering, qui s'est occupé du développement de cette KTM Xbo, donc avec une coupe à l'intérieur de ce championnat pour essayer de sortir des pilotes et de sortir des mécanos qui travaillent pour des universités, donc avec le RYS, donc le Reiter Young Stars, dont les lauréats l'année passée ont eu le droit à rouler en Blancpain en volant d'une Lamborghini Gallardo GT3. C'était un petit peu c'est la carotte. C'est un championnat dans le championnat. C'est un championnat dans le championnat, exactement. On voit le Finlandais Henri Kauppi qui effectue sa toute première apparition en GT4 repartir avec cette KTM au look assez atypique. L'idée à la base était de rappeler un petit peu la Lamborghini Countach. Bon, après, ah bon, vous jugez par vous-même si c'est le cas ou pas. Ouais, donc 15 000. Avant l'ouverture de la fenêtre. Elle est bien plantée cette Maserati là. Bien, bien. Bien posée effectivement. Dans ce pack à gravier. Regroupement général. Est-ce que ça va permettre à Matt Nicol Jones. S'il nous fait le même envol qu'il a fait au départ, il va vite prendre la poudre d'escampette. Hein. Le pilote Aston Martin. Départ impressionnant, il a vraiment bien pu profiter du couple aussi. Alors on peut peut-être refaire le point d'ailleurs sur le classement qui s'affiche également à gauche. Donc Ricardo Van Der Ende est en tête, voilà, vous voyez, c'est la Ecris BMW M4 devant Matt Nicol Jones sur la première des Aston Martin Vantage, la noire numéro 62 de l'Academy of Motorsport. Nous avons ensuite Matthew George sur l'Aston Martin aux couleurs de AMR, génération AMR Super Racing. Quatrième position pour la première des Porsche, c'est finalement la numéro 15 de Rudolf Schult et de Dominic Schrammel, et c'est actuellement Dominic Schrammel qui est au volant. Cinquième position pour la 74 qui est donc la première des KTM de Laura Krahammer, c'est Cédric Freiburghaus, son équipier, qui est aux commandes. Cinquième position pour l'instant pour une voiture qui n'est probablement pas sur le circuit qui lui convient le mieux. Hein. Clairement, elle était plus à son affaire à Misano, par exemple, elle a d'ailleurs gagné. On aime un petit peu les circuits un petit peu plus sinueux et un petit peu moins rapides. Il faut moins de moteur, ce n'est pas la voiture la plus puissante, par contre elle est très très légère. On voit la Maserati qui est dégagée ici. Nous avons en sixième position Julien Darras qui est donc le meilleur des représentants français pour l'instant avec la Aston Martin Vantage 007, référence à James Bond. On va presque dire James Darras dans ce cas-ci, qui est donc sixième sur cette voiture, lui qui fait équipe avec Jérôme Demey. Nous avons ensuite en septième position la numéro 112, qui est la première Porsche RN Vision STS de Pavel Lefterov et de John-Louis Jasper. C'est Pavel Lefterov qui est actuellement aux commandes, le pilote bulgare. Huitième position pour Duncan Huisman sur la première des McLaren 570 SGT4. C'est la numéro 9 de l'équipe néerlandaise Lars Moras, Racing. Et qui est bien placé donc pour aller chercher le titre finalement en Pro-Am aujourd'hui. Neuvième position pour la Porsche Momo Megatron Team Partrax de Bernard Laber et de Nico Rinslich-Baker. Actuellement en volant. Et puis Jörg Wiban sur la Porsche numéro 22 Allied Racing occupe la 10e position. Un petit coup d'œil dans la catégorie d'armes. On a Andy Merrick, hein, un pilote, ancien pilote Bentley, qui lui est 11e sur la McLaren du Bullitt Racing. Voiture qui a été handicapée hier par des problèmes des premières voitures à avoir abandonné. Du côté de la catégorie des AM et Andy Merrick qui partait depuis la 20e position sur la grille, donc il a déjà gagné 10 places. Évidemment, le safety car ici, ça va faire ses affaires. Du côté de la catégorie des AM, Laurent, on a envie de dire pas de surprise. Non, pas de surprise, hein, exactement. Avec la Porsche Auto Orlando de Mengozi Ghezzi qui mène la danse, mais qui est 17e, mais qui a juste derrière elle quand même
la numéro 21, qui n'est autre qu'une Porsche Cayman, celle du Halid Racing de Joachim Bolting. On va avoir une lutte entre Porsche. Et là, pour le moment, c'est entre une Porsche 997 Cup et une Porsche Cayman. Et encore juste une autre Porsche Cayman, troisième en âme, c'est celle de ProSport Performance de Carsten Srue et Dieter Schmidtmann, avec Dieter Schmidtmann actuellement aux commandes. Dernier tour, sous régime de neutralisation. Donc la voiture de sécurité va réemprunter la voie des stands et les concurrents vont pouvoir repartir de plus belle. Giuseppe Ghezzi, déjà champion AM, qui voudrait donc terminer en beauté sur la Porsche Autorlando numéro 76. Preuve que les anciennes GT4, comme cette Porsche 997, ont encore leur mot à dire également. C'est ça le principe de la balance de performance. C'est une voiture qui coûte moins cher. On sait que la balance de performance est articulée autour de la Porsche Cayman, tout simplement parce que c'est la voiture la plus vendue. Donc évidemment, même si vous roulez avec une Porsche 997, vous avez votre mot à dire. Autant que si vous roulez dans une McLaren qui coûte quand même nettement plus cher, on arrive à 200 000 euros. Donc on a un équilibre des performances entre les différentes voitures. Donc après, à vous de faire la différence sur la piste. Et Stéphane Rattel, le maître d'œuvre de SRO Motorsport Group, évidemment, architecte du GT moderne, comme on a souvent coutume de le dire, a prévenu les équipes. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter une nouvelle voiture. Exactement, pour être performant. Stéphane Rattel, qui conseille d'ailleurs aux équipes de garder les mêmes voitures pour l'année prochaine. On sait que les voitures ne vont pas évoluer. On a quelques petites améliorations. On sait que notamment Porsche va proposer des boucliers en carbone. Mais donc un petit kit, mais les boucliers en carbone, du coup les équipes vont pouvoir les réparer plutôt que de le changer comme c'est le cas actuellement. Ou si vous avez un problème, bah, vous êtes obligé de mettre le bouclier à la poubelle et d'en racheter un autre. Donc ce sont des évolutions aussi pour limiter si possible les frais de roulage et au terme de différents incidents. C'est reparti, drapeau vert sous la conduite bien sûr de Ricardo Van der Ende. Cette BMW numéro 8, cette Écrisse M4, puisque c'est son nom officiel, n'a pas quitté le haut de l'affiche depuis le début de ce week-end. On a Matt Nicol Jones qui est derrière. Matthew George est regardé pour la cinquième position. Cédric Fred Burkhaus qui est attaqué par Julien Darras, qui reste derrière pour l'instant. Dans cette partie plus technique, évidemment, la KTM du RYS Team True Racing de Cédric Freiburg-Haus est un peu plus à son affaire. Ce sera moins le cas dans les portions qui vont arriver, et notamment la sortie de l'épingle, où la puissance joue malgré tout un rôle assez important, puisqu'à partir de là, les concurrents sont en montée. Alors, on parlait d'Andy Merrick tout à l'heure, ex-pilote aussi de la fameuse Delta Wing. Eh bien, vous l'avez à l'image, 11e position pour cette McLaren. Andy Merrick, du coup, qui rebondit cette année en GT4 pour aider un gentleman driver. Donc, c'est vraiment une mise en jambe pour cette équipe Bullitt Racing. Ricardo Van der Ende qui prend de nouveau ses distances. Derrière, c'est plus animé entre Matt Nicol Jones et Matthew George. On a l'impression que Matthew George est un peu plus rapide sur l'Aston Martin de génération AMR. Alors que Julien Darras, lui, commence à subir un petit peu la pression. Avec Pavel Lefterov qui est juste derrière lui sur la Porsche numéro 112 RN Vision STS, le Bulgare. Également. Et puis on a également Duncan Huisman. Duncan Huisman qui est pas loin, qui est prêt à profiter du moindre faux pas des deux concurrents qui sont devant lui. Duncan Huisman qui est le frère de Patrick Huisman, multiple champion de la Porsche Super Cup internationale. Attention, Andy Merrick qui est parti à la faute à la sortie de la chicane. Décidément, c'est peut-être pas de lui que l'on attendait une faute au niveau de la chicane. Il a bien rattrapé pour revenir sur la piste quand même. Oui, beau car control, oui. Il a perdu quelques longueurs évidemment dans l'aventure. Rappelons que cette McLaren avait été contrainte à l'abandon hier suite à une touchette de Stephen Patrick. Et là c'est chaud également. C'est pour la 10e position entre Jörg Wiban, numéro 22, c'est la Porsche bleue. Et puis la numéro 16 que vous avez juste derrière lui, c'est Nico Rindlisbacher. Et les vainqueurs d'hier en pro-am, Grégoire de Moustier et Alain Ferté sur la Porsche Cayman du Energy by Art pour le moment. Son 13e. Oui, et plus loin dans la catégorie Pro-Am. Parce qu'ils sont en 7e position. Par contre, l'un des points forts de cet équipage, c'est justement son homogénéité.
avec un Alain Ferté qui est considéré comme un pilote amateur parce qu'il a plus de 60 ans, mais qui reste un pilote de talent avec énormément d'expérience, bien sûr. Et donc, on pourrait voir cette Porsche numéro 4 remonter dans la hiérarchie durant la deuxième partie de la course. On va déjà avoir une ouverture de la fenêtre dans moins de 7 minutes maintenant. Fenêtre de pit stop obligatoire, donc changement de pilote obligatoire, avec un temps minimum, Laurent, entre l'entrée et la sortie de la pit lane. Oui, un temps minimum à respecter de 95 secondes. Donc, vous pouvez changer de pilote en toute sécurité et que le pilote puisse s'attacher avant de repartir. Donc, on essaie aussi de jouer vraiment la sécurité pour pas que les pilotes repartent et finissent de s'attacher sur la piste. Et là, on a vu Nico Rindisbacher de plus en plus menaçant sur Jörg Wibahn. La Porsche rouge aux couleurs mythiques de Momo. On se souvient notamment de Ferrari 333 SP, hein, oui, dans ses couleurs Momo, avec Gianni Moretti, qui a fait rêver pas mal de monde. Voilà Matthew George à l'image. Bon, c'est Aston qui va probablement rétrograder un peu dans la deuxième partie de course, parce que James Holder, qui reste plus ou moins un débutant dans le sport automobile, même s'il progresse depuis le début de cette année. Un vrai gentleman driver, c'est un vrai gentleman. James Holder. Duncan Huisman derrière Julien Daras. Sixième et septième, ces deux-là. Et toujours Jörg Wibahn devant Nico Rindisbacher. Et puis derrière, on note la présence également sur l'autre McLaren, la numéro 10, de Finlay Hutchinson. Une voiture qu'on a vue à la fête hier. Ils étaient montés sur le podium, troisième Exactement. Position pour le jeune Britannique Finlay Hutchinson, associé au Hongrois Zaba Mor, qui a réalisé un très très bon début de course. On a encore une Porsche, mais elle s'est fait prendre un tour, je pense, qui est... c'est Pavel Lefterov sur la Porsche blanche numéro 112 que l'on a aperçu très brièvement. Ça reste relativement groupé, Laurent, à partir de la deuxième position. Il est passé à Matthew George, il est passé devant Matt Nicol Jones. On n'a pas vu la manœuvre de dépassement, mais voilà, c'est fait. Changement pour la deuxième place entre les deux Aston Martin Vantage. Et derrière, on a Cédric Freiburg-Hose, de plus en plus menaçant sur la 74. Le pilote suisse de cette KTM X-Bow. On l'a dit, associé à la féminine Laura Kreamer, petite sœur du pilote d'endurance et du championnat du monde d'endurance Dominique Kreamer. Ils sont donc pour l'instant en cinquième position. Mais l'information, bien sûr, de ce qui était le neuvième tour, c'est le changement pour la deuxième place avec Matthew George, que l'on sentait un peu plus rapide que Matt Nicol Jones, et qui l'a confirmé en prenant le meilleur sur son compatriote. Et il signe d'ailleurs au passage le record du tour en piste, Matthew George, 2.06.242. Et voici toujours la bataille pour la dixième position, avec Jörg Wibahn attaqué par Nico Rindisbacher, qui tente de s'infiltrer à l'intérieur. Finlay Hutchinson qui est juste derrière également. Défend bien sa position pour l'instant, Jörg Wibahn, pilote allemand très expérimenté sur le Nürburgring notamment et sur la Nordschleife, qui roule avec ce type de voiture GT4 depuis un petit temps déjà. On a beaucoup vu dans les épreuves VLN Jörg Wibahn avec l'équipe ProSport notamment, même si ici il a rejoint les rangs d'Allied Racing. Ça va peut-être faire des affaires de Grégoire de Moustier, qui lui est derrière. Peut-être pouvoir en profiter pour recoller le trio. Ça serait effectivement pas mal pour Grégoire de Moustier, qui doit se motiver pour l'instant. Pilote qui évolue désormais, qui évolue sur différents programmes, mais non seulement le GT4, mais aussi le championnat du monde de rallycross pour Grégoire de Moustier. Une discipline qu'il découvre cette année. On va aller voir arriver, voilà le peloton. Jörg Wibahn, Nico Rindisbacher, Finlay Hutchinson et Grégoire de Moustier. Tous sur la même image pour l'instant.
pour. Alors que chez CD Sport, la deuxième voiture, celle de Kevin Ball Besançon, est pour le moment 19e. On vous rappellera que la numéro 31 de Morgan Moulin Trafford et Benjamin Ricci, elle a abandonné dès le début de la course. Comme la Porsche TFT Racing de Nicky Ludwiller et d'Ander Villarino. Ouais, c'est également le cas de la Porsche de Marc Bassin, hein, qui partait de la première ligne. Il n'est pas passé le premier virage. Et l'attaque de nouveau de Rinlisbacher ici. Nico Rinlisbacher qui essaye de s'infiltrer. Jörg Biban qui défend très très bien sa position pour l'instant. Alors évidemment, Laurent, ils ont exactement les mêmes voitures. Ça veut dire que ce sont des voitures qui ont les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Et on a derrière Finlay Hutchinson qui lui profite du point fort de la McLaren, une vitesse de pointe un peu supérieure, mais qui n'a pas su doubler. Ouais, et donc. Julien Darras qui est la lutte là pour l'instant avec Pavel Lefterov, le Bulgare, qui tente de lui faire l'intérieur à Julien Darras. Excellent quatrième hier, Jérôme Demey et Julien Darras, les deux Français. C'était quatrième du classement général. Ils sont engagés dans la Silver Cup également. Silver Cup, ça veut dire que l'on a deux pilotes classés argent par la FIA. Donc ils sont plus tout à fait des âmes, ils sont plus des bronzes. Ce qu'on n'a pas en France d'ailleurs, on n'a pas de Silver Cup en France, on a uniquement un classement pro-âme et âme. Et regardez, parce que ça évolue, hein, on a Pavel Lefterov, on vous en parlait il y a quelques instants, qui était en position d'attaquer Julien Darras et qui maintenant se fait attaquer par Andy Merrick. Andy Merrick, c'est pas mal ça donc. Ouais, c'est pas mal. Je me suis battu en piste avec Andy Merrick. On a beaucoup vu dans les blancs pins GT Series, on l'a dit, avec notamment les Bentley Continental GT3 de l'équipe M-Sport. Ouais, c'est un pilote assez éclectique, hein, Andy Merrick. On a vu en LMP1 notamment, en 24 heures du Mans chez Orica, qui après a rejoint la catégorie GT3 avec un certain succès, mais du coup il n'a pas été retenu par Bentley. Il a fallu rebondir ailleurs, on l'a vu aux États-Unis à plusieurs reprises. Alors que du coup, en tête de la course, Ricardo Van Der Ende compte 1,6 seconde d'avance sur Matthew George. Alors que là, les trois continuent et c'est la McLaren qui rentre dès l'ouverture de la fenêtre de ravitaillement. Ah, effectivement, Finlay Hutchinson qui choisit de rentrer. On avait vu une belle performance hier du Hongrois Zabamor, hein. Donc on va permettre à Zabamor de rentrer le plus vite possible. Et Grégoire de Moustier également est rentré pour céder le volant à Alain Ferté sur la Porsche de l'équipe française Energy by ART, équipe dirigée par Georges Casca. L'équipe qui fait rouler une McLaren également en championnat de France FFSA GT, qui est montée sur le podium le week-end dernier à Manicourt. Avec Simon Gachet et Bruno Hernandez. Une équipe qui connaît bien le Nürburgring puisqu'elle était active encore l'an dernier en DTM, notamment l'équipe à Grand Prix, en plus de toutes ses participations évidemment dans les différentes formules monoplaces. Ouais, c'est une des équipes les plus prestigieuses en France à Grand Prix. Mais c'est bien d'avoir des grands noms comme ça qui s'intéressent déjà au GT4 aujourd'hui. Oui, exactement. Pour avoir eu la chance de visiter leurs ateliers il n'y a pas très longtemps, on a vraiment un département réservé au GT4 chez Art Grand Prix, donc on prend les choses très à cœur, même si on vient avec un personnel limité, ce qui est le cas du GT4, mais vraiment avec l'envie de bien faire. Et c'est maintenant du coup Alain Ferté qui va relayer Grégoire de Moustier. Surveillons le bien à l'inferté. Pendant ce temps-là, toujours la bagarre entre Jörg Wiban, toujours poursuivi comme son ombre par Nico Rinlisbacher, qui semble de plus en plus impatient. Rinlisbacher derrière, voilà Finlay Hutchinson qui est descendu. On a vu Manuela Gosner avec la Maserati aux bandes roses également. Elle roule seule, Manuela Gosner. Donc forcément, elle va repartir et prendre le deuxième relais. C'est autorisé quand on est engagé dans la catégorie des âmes, comme c'est le cas actuellement. Et voici le retour également de Matt Nicol Jones avec William Moore qui va prendre le relais sur cette Aston Martin Vantage. Alors que l'autre Aston Martin, elle, celle de Matthew George, du coup, est restée en piste. Du coup, Matthew George va pousser son relais au maximum, hein, pour laisser le volant à James Holder, qui est forcément un petit peu
un petit peu moins véloce. Alors que chez Academy Motorsport, l'homogénéité de l'équipage fait aussi partie des points forts de cette équipe britannique. On retrouve régulièrement en British GT. On avait vu effectivement William Moore plutôt à son affaire plutôt en début bien de course, en début hier. De course, exactement. Ils avaient d'ailleurs terminé deuxième hein, de cette épreuve hier, si je ne m'abuse. C'est bien ça, hein. Oui, c'est eux qui avaient terminé à la deuxième position, Matt Nicol Jones et William Moore. Qui pourraient aller de nouveau chercher un podium ici. Alors pendant les prochaines minutes, Laurent, la lecture du classement va être un peu plus compliquée. Ouais, ça va être un petit peu bouleversé. Il va falloir attendre que tout le monde ravitaille. Et avec 30 voitures en piste, évidemment, ça va être un petit peu compliqué à suivre pendant 4-5 minutes. À noter que le record du tour en piste pour l'instant est à mettre à la kiff de Matthew George en 2.06.242. Plus vite que Ricardo Van der Ende qui a fait 2.06.289. Hein, donc ça fait 4 centièmes de différence. Disons que ces deux-là ont tourné dans des chronos très très similaires. Les autres sont un peu plus loin avec un 2.06.3 pour Duncan Huisman, la McLaren qui réalise actuellement le troisième meilleur tour en course. Des voitures très différentes. Hein, et puis on a, si on continue dans la liste des meilleurs tours en course, on a en 2.06.5 la KTM. KTM de Cédric Freiburg-Hose, KTM qui est vélo sur un tour. Ouais, elles sont un petit peu en retrait là. Oui, c'est KTM. Sur un tour c'est pas mal, 4ème meilleure performance, ouais, mais dans le peloton. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas le tracé le plus propice à la KTM Xbo, hein, le circuit du Nürburgring. Et puis il faut sortir du peloton. Regardez Matthew George qui est en train de revenir en fait sur Ricardo Van der Ende. On vient de les voir tous les deux sur la même image, moins de 2 secondes. Donc l'Aston Martin du Street Art Racing s'arrête et c'est également le cas chez les Jörg Wiban. Deux pilotes qui ont fait une belle petite passe d'armes. Et ils nous ont amusés, effectivement, Jörg Wiban et Nico Rindlisbacher qui ne se seront pas quittés, même pas dans la voie des cendres. Voilà. Alors normalement, Laurent, il devrait repartir dans cet ordre. Puisqu'il y a un temps d'arrêt minimum imposé, on le rappelle. 95 secondes. Voilà Jérôme Demey qui va d'ici quelques instants s'installer à bord. Nico Rindlisbacher qui est sorti de cette très belle Porsche Momo Megatron. Couleur un peu mythique, on l'a dit, avec Bernhard Laber qui va prendre le relais. Jörg Wiban à l'image va lui être relayé par Jan Kasperlik. Alors que le ravitaillement de la McLaren numéro 10 de l'équipe Verscure de Finlay, Hutchinson et Xaba Moore sera investigué après la course. Ah, ça, c'est dommage pour cet équipage qui était monté sur le podium 3e. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un souci. Mais quand on a ce genre d'information, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être eu une petite entorse au règlement. Peut-être sur la durée du ravitaillement. Donc on va suivre ça de près après l'arrivée. ...28 minutes avant justement ce drapeau à damier. Alors à suivre tout particulièrement pour l'instant, je pense, c'est la Porsche numéro 4 d'Alain Ferté. Qui est reparti et qui, dès son premier tour, améliore le meilleur tour en course de la voiture. 2.07.576, plus vite que Grégoire de Moustier en première partie. Alain Ferté, il va remonter, hein, sans aucun doute, sur la Porsche numéro 4. Et voici, à l'image, le William Moore que vous avez aperçu. Le voilà, William Moore. Avec la Stone numéro 62, 19e officiellement dans le classement actuel. Mais ce classement va évidemment évoluer lorsque tout le monde aura effectué l'arrêt obligatoire. Alors on parlait de Jörg Wiban tout à l'heure et de Jan Kasperlik. C'est important parce que c'est un duo, enfin Jörg Wiban pas puisqu'il a changé d'équipier en cours d'année, mais Jan Kasperlik peut encore être champion dans la catégorie Pro-Am. D'autant plus avec l'abandon de Razvan Umbrarescu suite à son accident. Chez Ekris Motorsport, hein, Max Kubolt s'apprête à partir en piste.
pour assurer le deuxième relais. Oula, il y a une voiture qui a coupé la décoration Pirelli qui était à la sortie de cette courbe là-bas, vous l'avez vu. Et voici William Moore, qui doit être, on va le comparer d'ailleurs, avec Max Kubolt, qui doit être effectivement celui en piste qui est en tête par rapport à ceux qui ont déjà effectué leur arrêt. Il est très à l'attaque, en tout cas, William Moore sur les vibreurs. Et voilà déjà Max Kubolt qui repart et qui va être bien devant. Bien, bien devant, c'était Chris M4. Et pendant ce temps-là, Mathieu Georges, il continue en piste jusqu'à la fermeture de la fenêtre de ravitaillement. On va ravitailler au dernier moment, on va s'arrêter du côté de chez Génération AMR. Ah, il ferait bien de rentrer maintenant, il reste... Voilà. Ce sera donc le dernier pit stop possible puisqu'il reste 40 secondes seulement. Ça devrait aller un petit peu moins vite après avec James Holder dans le baquet de la Vantage GT4. Que voulez-vous dire ? C'est un gentleman driver, donc l'équipage est forcément un petit peu moins homogène que, ouais, que Max Kubolt notamment et Ricardo Van Der Ende. Max Kubolt qui est un très très bon pilote également. Voilà l'arrêt. Attention à éviter tout excès de vitesse dans la pit lane. Sinon, on pourrait pratiquement vous retirer votre permis. Enfin, pas tout à fait. Peut-être pas vous retirer le permis quand même. C'est pas le permis de conduire dans ce cas-ci. Mais on pourrait avoir une pénalité, un drive-thru par exemple. Il n'y a pas de points sur le permis. Il n'y a pas un permis à points. Il y a un permis à points, oui. On peut aussi perdre des points en cas d'infraction. Ouais, c'est nouveau ça, hein, cette année, instauré par SRO Motorsport Group. C'est bien de le rappeler. C'était déjà le cas l'année passée. Hein. Oui. Dans le championnat Blancpain. Donc si vous faites plusieurs infractions successives, vous perdez des points et une fois que vous avez perdu 3 points, vous êtes rétrogradé sur la grille de départ de la course suivante. Donc ça permet aussi aux pilotes de faire un petit peu plus attention et de pas tenter des dépassements un petit peu, on va dire, suicidaires. Donc d'essayer de rester calme. Alors que la James Holder reprend la piste. Alors dans quel cas peut-on perdre des points ? On peut perdre des points sur une collision notamment. Et après sur une infraction lors d'un arrêt. Un excès de vitesse, exactement. Non respect d'un drapeau jaune, voilà, des choses si comme vous ça. Passez sous attention avec Mathieu George. James Holder. James Holder qui repart, mais Max Kubolt va pouvoir repasser devant. James Holder en deuxième position. Qui doit essayer de prendre la roue de cette BMW M4 Ecris. James Holder. C'est un petit moment vite déjà. Ça va aller moins vite. Hein. Attention, on annonce des drive-through penalty, hein, justement pour vitesse excessive dans la voie des stands. Donc, ce qui concerne la Porsche CD Sport, la numéro 30, déjà. La numéro 44 également, qui est une KTM, celle de Lennart Marionek. Et la numéro 112, qui est la Porsche RN Vision STS de Pavel Lefterov. Et on va pouvoir refaire le point sur le classement lors du prochain passage, puisqu'on a encore des concurrents qui viennent d'effectuer leur pit stop à l'instant, pit stop de 95 secondes minimum, on l'a dit, entre l'entrée et la sortie de la voie des stands. Et on vient d'avoir à l'image la Porsche rescapée de l'équipe CD Sport, c'est la numéro 30. Une voiture, voilà le leader, hein, Max Kubolt, une voiture qui est 17e, cette Porsche CD Sport. Avec Mathieu Cherui qui fait ses débuts en GT4 European Series. Alors on va surveiller pour la deuxième position. On a James Holder, mais on pourrait avoir assez rapidement derrière lui William Moore. On a Luke Brams qui est là également avec cette McLaren numéro 9. Luke Brams attaqué pour l'instant par Laura Kreamer. Ah, elle en veut, hein, Laura Kreamer, l'Autrichienne. Plus rapide que Luke Brams ici à la sortie. Après, le plus difficile, ça va être de trouver l'ouverture pour Laura Kreamer. Et on est avec des voitures. On va attendre le prochain passage pour vous donner également la position pour laquelle ils se battent. Mais je pense qu'on est dans le top 5 avec ces concurrents-là. Et Laura Kreamer qui fait l'intérieur à Luke Brams. C'est qui vire un peu large mais qui va pouvoir conserver l'avantage. Est-ce qu'elle va pouvoir garder une meilleure vitesse de pointe? Derrière, on voit qu'il y a la Porsche du Schweld
Motorsport qui est là également. Alors forcément, ce n'est pas celle de Marc Bassaigne, on l'a dit. C'est la numéro 15 maintenant de Rudolf Schulte. C'est sa deuxième saison, hein, Laura Kreimer, hein, sur cette KTM Xbo. Rudolf Schulte est passé aussi, je vous interromps une seconde, Laurent, est passé aussi devant Luc Bram. C'est important dans le cadre du titre, classement Pro-Am, où Duncan Huisman et Luc Bram se jouent la couronne. Bon, après, il leur suffit de marquer quelques points, hein, ceci dit, pour devancer le pauvre, enfin pauvre, c'est lui qui a provoqué l'accident aussi, mais Razvan Umbrarescu, qui était impliqué dans l'accrochage du premier tour et qui a vu sa portière s'arracher. Et voilà déjà James Holder attaqué par William Moore pour la deuxième position du classement général. On pourrait avoir aux deux premières places les deux mêmes équipages qu'hier, c'est-à-dire l'Ecris M4 BMW de Max Kubold et de Ricardo van der Ende, avec le plus jeune, c'est-à-dire Max Kubold, 19 ans seulement actuellement au volant. Et puis on pourrait bientôt avoir de nouveau William Moore et Matt Nicol Jones sur l'Aston Noir. On voit que ça va plus vite que James Holder, qui va se faire déborder dans quelques instants par William Moore. Est-ce qu'il essaie de résister, James Holder? Non, pas vraiment. Et William Moore qui peut assez facilement s'infiltrer à l'intérieur ici. Changement. On voit la différence lors du dernier tour, 5 secondes. C'est assez flagrant. Il ne faut pas compter le tour de rentrée, évidemment. Il est passé, en tout cas, William Moore assez facilement. Et Laura Kreimer qui pourrait aller chercher un podium, en fait, hein, puisqu'elle est quatrième avec cette KTM numéro 74. On vous parlait de jeunes féminines talentueuses. Eh bien, voici peut-être une dont on reparlera à l'avenir, Laura Kreimer. Vous le disiez, Laurent, deuxième saison seulement de sport automobile, et elle se distingue déjà. Elle avait roulé dans le passé en KTM, mais avec l'ancien modèle, l'ancien Xbo. Hein. Donc là, c'est sa deuxième saison sur cette voiture-là. Sur cette voiture-ci, d'accord. Voilà. J'avais pas bien compris. Alors que votre ami bulgare Ivan Vlashkov est copé d'une pénalité d'une seconde pour ne pas avoir respecté le temps au niveau du ravitaillement sur l'unique Cine au départ de cette course. Une voiture bulgare très originale, hein, cette petite GT Cine. Est-ce qu'il n'avait pas déjà écopé d'un stop and go hier, Ivan Vlashkov, pour la même raison, non? Il est tombé panne sur le circuit aussi. Enfin, il avait déjà connu une première course plutôt animée. Pas de chance donc pour Ivan Vlashkov, enfin, pas de chance ou peut-être maladresse pour cette fameuse Cine qui était 13e et en tête de la catégorie des armes. Ça, c'est dommage, hein, pour Ivan Vlashkov, qui roule en solitaire sur cette Cine et qui va probablement voir la victoire en âme lui échapper suite à cette erreur au moment du pit stop. Et Alain Ferté, lui, remonte un petit peu, donc il est toujours, enfin là il est 8e, mais il remonte sur la numéro 10, donc la McLaren de l'équipe Verskur. Et 7 secondes 9 d'écart entre Max Kubold et William Moore, qui lors du dernier tour ont tourné tous les deux en 2 minutes 09. Manager de la voiture numéro 112 de Pavel Lefterov et de John-Louis Jasper est demandé à la direction de course où en est-elle cette voiture numéro 112. Elle est 16e pour l'instant. Pavel Lefterov qui avait réalisé un bon début de course, mais qui depuis est un peu en train de perdre du terrain. On peut refaire le point sur le classement peut-être, Laurent, pour... Et James Holder. Et attention, qui se fait attaquer, ouais. Qui se fait presque doubler, James Holder, par Laura Kreimer, qui va passer maintenant à l'intérieur certainement du dernier virage. Non, James Holder essaye de défendre sa position. C'est quoi les chronos de James Holder? James Holder tourne le dernier tour en 2.13 contre 2.09 à Laura Kreimer. Donc évidemment, ça va être un peu compliqué pour l'Aston Martin de garder la troisième place. Même avec une meilleure vitesse de pointe, on voit Laura Kreimer qui se met déjà sur le côté, qui essaye de venir influencer James Holder, qui veut défendre sa position. Et attention derrière au retour éventuel de Rudolf Schulte sur la Porsche numéro 15 du Schwede Motorsport. Laura Kreimer qui vient de nouveau ici à l'intérieur. C'est la portion probablement où la KTM bénéficie du plus d'avantages. Voilà, elle est plus légère, elle peut freiner plus tard la KTM, pilotée par Laura Kreimer. Et voici la jeune pilote autrichienne qui monte sur le podium provisoire de cette course ici. Bien joué
Laura Kramer, bien, bien joué effectivement. Du coup, la Porsche du chevet de Motorsport devra en faire de même incessamment sous peu hein, sur l'Aston Martin de James Holder. Et Laura Kramer et son équipier Cédric Frey-Burgos étaient déjà montés sur le podium lors de la première manche du Red Bull Ring. Ils pourraient remettre cela ici. C'était un podium pratiquement à domicile, hein, forcément en Autriche sur le circuit de Spielberg pour Laura Kramer. Et bien cette fois, ce sera donc un podium sur le Nürburgring avec son équipier suisse, Cédric Frey-Burgos, qui avait déjà réalisé un très très bon début de course. Et Laura Kramer qui tourne, vous l'avez dit tout à l'heure, elle était en 2.09, en étant un peu gênée. On va voir maintenant quel est le chrono de Laura Kramer. En tête par contre, Max Kubolt et William Moore n'amusent pas la galerie pour l'instant. Exactement, hein, 2.07.3 dans le dernier tour pour Max Kubolt. Compte 8 secondes d'avance hein, sur Nigel Moore. Ouais, Nigel Moore qui essaye bien de mettre la pression, mais c'est pas évident. Ouais, et maintenant, c'est Alain Ferté hein, qui remonte sur la caïman du Jvede Motorsport et qui devrait même arriver à trouver l'ouverture. Ah, c'est fait, il est passé. Il est passé à Alain Ferté, effectivement, qui peut encore revendiquer une place dans le top 5 également. Regardez, il double ici, Zabamor également, le Hongrois qui n'a rien pu faire sur la McLaren 570S. Ouais, et James Holder va se faire ramener. Voilà peut-être le candidat au podium final ici à Alain Ferté. Et c'est la voiture, c'est une voiture qui est engagée en Pro-Am, hein, Laurent. Exactement, c'est la voiture qui a gagné hier en Pro-Am. Et qui va prendre la tête en Pro-Am si Alain Ferté parvient. Ouh, Zabamor qui était fort fort optimiste, je trouve, ouais, sur le freinage. Il sort un peu large, ce qui est normal. Alors si Alain Ferté parvient à passer maintenant devant James Holder, le Français prendra la tête de la catégorie Pro-Am. Ce qui ferait deux victoires pour voilà Energy by Art. Et voilà qui est fait. Ah, quelle démonstration là pour l'instant d'Alain Ferté. Le meilleur tour en course est en 2.07.5. On a même essayé d'aller chercher la troisième place au général, Alain Ferté. Ça va être un petit peu compliqué, mais ouais, il reste encore sûr. Un quart d'heure, mais c'est tout est encore faisable, hein, parce que Alain Ferté est plutôt déchaîné en 2.08.3 dans son dernier tour, contre 2.10.2 à Laura Kramer. Ouais, qui a été gênée hein, dans ce tour-ci, c'est le tour durant lequel elle a dépassé James Holder, donc on va attendre qu'elle refasse un tour complet, Laura Kramer, pour pouvoir juger du rythme réel de l'Autrichienne. Zabamor qui double ici Porsche Cayman qui se fait prendre un tour, James Holder également, il doit faire l'extérieur, James Holder, non, pas osé tout à fait. Et par contre, il y a un autre pilote qui va faire l'extérieur complètement, sans aucun complexe d'ailleurs. C'est Rudolf Schulte, mais finalement qui n'est pas passé devant James Holder, qui est un peu c'est Cora Schumacher. Non, pardon, c'est pas Cora, c'est son équipier Franjo Kovac. Il sait pas trop où se mettre lui, Franjo Kovac. Ça va pas beaucoup plus vite. Hein. Non, je pense même que ça va moins vite. En fait. Ça va pas y toucher James Holder. Hein. Franjo Kovac qui, effectivement, n'est pas trop dans le rythme et surtout ne sait pas trop où se mettre pour ne pas gêner les concurrents qui sont en train de lui prendre un tour. On a vu Luc Brahms qui lui faisait l'extérieur. Voilà, c'est passé pour Luc Brahms. Actuellement champion, virtuellement champion dans la catégorie Pro-Am. Et 3 secondes 9 d'écart entre Laura Kramer et Alain Ferté pour la 3ème place. Alors qu'en tête, Max Kubolt lui déroule. Hein, 7 secondes 7 d'avance sur Nigel Moore. Et Laura Kramer, elle est à 20 secondes de la tête. Et elle vient de tourner en 2.08.8. Laura Kramer contre 2.09.2 à Alain Ferté, mais qui a été gêné à son ouais. tour par lorsqu'il a dû doubler James Holder. On va avoir un drive-thru, Laurent, donc passage par la voie descendante avec une vitesse forcément limitée. Et là, on a également la numéro 14 hein, qui est en pleine remontée pour l'instant. C'est la KTM du Riss Team KTM d'ailleurs. Denk Angermeyer et Reinhard Kofler. Et c'est Reinhard Kofler qui avait signé un excellent deuxième chrono lors de la première séance qualificative, qui était donc parti depuis la première ligne hier, mais qui avait tiré tout droit au moment d'aborder la Mercedes Arena, donc dans le premier virage. Et là, il partait d'un peu plus loin. Ils étaient en 8ème ligne en fait, en 15ème position avec Angermeyer et Reinhard Kofler qui pourraient donc revenir également dans le top 5.
Où en est-il, Reinhard Kofler? Il est passé devant James Holder, il est passé également devant Rudolf Schulte. Et donc il est sixième. Pas mal, on pourrait avoir deux KTM dans le top 5. On a pour l'instant une BMW Actros, une Aston Martin Vantage, une KTM, c'est celle de Laura Kramer. Nous avons ensuite une Porsche, celle d'Alain Ferté, une McLaren, donc 5 marques différentes aux 5 premières places. James Holder pourrait même perdre le podium en Pro-Am, hein, puisqu'il est sous la menace de la McLaren et de la Porsche. Oui, ça c'est la lutte pour la deuxième place en Pro-Am que vous avez sous les yeux. James Holder sur l'Aston Martin Vantage noire et verte. Derrière lui, Rudolf Schulte sur la Porsche qui peine un peu à trouver l'ouverture parce que l'Aston Martin est rapide en vitesse de pointe et c'est Luc Brams qui en profite derrière et qui voudrait bien fêter son titre en Pro-Am par un nouveau podium. Luc Brams, voilà, sortie du dernier virage. La McLaren normalement est un peu plus puissante, un peu plus rapide dans la ligne droite. Est-ce qu'il va pouvoir prendre l'avantage sur Rudolf Schulte? Il n'y a pas une différence énorme, hein, ceci dit, au niveau de la vitesse de pointe. Voilà, il vient à l'intérieur. Luc Brams, Rudolf Schulte qui essaye de résister sur la ligne extérieure. Et le Néerlandais a été très très prudent, Luc Brams. On voit qu'il joue un championnat lui pour l'instant. Pas question de prendre un risque inutile. Sauf que ça fait les affaires de la KTM qui est juste derrière la McLaren. Puisqu'elle a pu recoller du coup. Oui, tout à fait. Et cette fois, la KTM qui passe. 64. Hein, et qui passe, qui risque d'en passer deux d'un coup. Ah, et qui profite qui évidemment. Va passer également de la Porsche. Je m'en fais la KTM numéro 64 de Mats Siljåhåk, le Norvégien. Vu à son avantage également hier en début de course. Mats Siljåhåk. On a pas mal de concurrents selon l'homogénéité de l'équipage qui sont en train de remonter beaucoup évidemment durant cette deuxième partie de la course. Surtout qu'il reste plus que 9 minutes, hein. Donc va falloir tout donner. Toujours 7 secondes d'écart entre Max Kubold qui avait dit lors de l'interview sur la grille avec Dakota Jane tout à l'heure, on va essayer de creuser un petit écart et puis de contrôler la course. C'est le scénario parfait pour l'instant. Le voilà, Max Kubold qui boucle le 22e tour déjà de ce circuit de Nürburgring, long d'un peu plus de 5 km. On a derrière, vous le voyez, Nigel Moore à l'attaque avec un retard de 6 secondes 8. Il essaye de maintenir la pression, Nigel Moore. Voici une voiture qui est engagée dans la catégorie AM et qui n'est donc pas en 3e position actuellement. Laura Kramer, la voici, elle est 3e. Et attention, qui voilà derrière? Alain Ferté. Alain Ferté est déchaîné, hein. Ah, il est revenu une très, très 8, vite à l'inferté. Une seconde 8 d'écart, hein, sur Laura Kramer. Et Zabamor n'est pas mal non plus sur la McLaren qui est derrière en 5e position. Lui aussi pourrait toujours revendiquer une place sur le podium final peut-être, même s'il tourne en 2.08.5. On a ensuite la KTM numéro 14 de Reinhard Kofler que vous avez aperçu à l'image. Une autre KTM, c'est celle de du Norvégien Mats Siljåhåk. Et puis derrière, toujours la lutte entre James Holder, Rudolf Schulte et Luc Brams. Lutte qui concerne toujours la deuxième place de la catégorie Pro-Am. Il arrive à résister, hein, James Holder, avec la pointe de vitesse en ligne droite de son Aston Martin. Il tourne en combien? Il tourne en 2.12, hein, pourtant James Holder. Il est en train de retenir tout le monde. Et ça va permettre à Jérôme Demey également de revenir sur l'Aston numéro 7. Il n'est qu'à 3 secondes environ. Jérôme Demey qui pourrait rentrer dans le top 10, associé à Julien Darras sur cette Aston 007. Le Français champion AM l'an dernier dans cette GT4 European Series. C'est fou l'attaque, hein, pour Alain Ferté. Il a beau avoir 60 ans, Alain Ferté, ancien pilote Jaguar en championnat du monde d'endurance et pilote Sauber Mercedes. Il avait même signé une fois le meilleur tour en course, je pense, en 24 heures du Mans, et une fois la pole position. Ils sont quand même pas si nombreux, les pilotes qui peuvent en dire autant. Frère de Michel Ferté, évidemment, on connaissait la famille Ferté. Deux garçons que l'on a beaucoup vu, évidemment, à une certaine époque, et que l'on continue à voir, la preuve ici avec Alain Ferté qui se défait de cette Porsche Auto Orlando, la numéro 75.
de Dario Cerati et de Maurizio Fondi qui se fait prendre un tour. Il n'a pas trop opposé de résistance, Dario Cerati, il a bien fait d'ailleurs. Il a gagné 4 dixièmes à Alain Ferté dans le dernier tour sur Laura Kreimer. Donc l'écart est de 1 seconde 4. C'est peu. Très très peu même. Et toujours James Holder. Il a été doublé finalement par la Porsche. Hein, James Holder, on a vu la Porsche Schwed Motorsport de Rudolf Schulte qui est passé devant. 8e donc désormais. James Holder qui est 3e de la catégorie Pro-Am mais attaqué. Et Jérôme Domecq qui est revenu effectivement. Comme on s'y attendait. Nouvelle attaque de Luc Brams ici à l'intérieur du premier virage. Ça va passer cette fois pour le Néerlandais. Oui, top qui prend la 3e position de la catégorie Pro-Am. James Holder ne devrait pas pouvoir répliquer, je pense. Et attention, la lutte entre les deux Aston Martin Vantage derrière avec Jérôme Demey qui est derrière James Holder. Le pilote français qui peut donc revendiquer la 10e position. Ils avaient terminé 4e hier avec Julien Darras du classement général. Un équipage engagé en silver. Et il est repassé, hein, James Holder. Il est repassé devant Luc Brams. Pas dit son dernier mot, il y a une place sur le podium en pro-am en jeu. Alors très sincèrement Laurent, on se souvient de la première course de James Holder, notamment à Nogaro, dans le cadre du championnat de France FSAGT où il était totalement hors du coup. Et là, il démontre malgré tous ses progrès, même si au niveau du rythme, il reste moins rapide que les pilotes de tête. Mais il se défend et il a une certaine rage de vaincre, en tout cas la volonté de se montrer qu'il n'avait peut-être pas en début d'année. Ouais. Non. Non. Il se défend. Non, mais il se défend. C'est beaucoup mieux qu'à Nogaro. Oui, c'est beaucoup mieux qu'à Nogaro. C'est mieux que l'année passée également. Mais du coup, évidemment, James Holder a un niveau un petit peu inférieur à ses concurrents. Alors que là, Alain Ferté est remonté sur Laura Kreimer pour la 3e place. Je n'ai pas dit que James Holder allait être champion cette année. Hein. Mais il y a du progrès. Vous voulez des vêtements gratuits, vous? Non, absolument pas. Mais il y a clairement du progrès. Pour le pilote britannique. Laura Kreimer va-t-elle pouvoir résister à Alain Ferté? Ça va être difficile hein, parce que la Porsche a un petit avantage en vitesse de pointe. Alain Ferté a une expérience assez impressionnante. Par contre, Laura Kreimer a pour elle la jeunesse et la volonté de se montrer. Rappelons qu'elle est pour l'instant la meilleure des KTM, cette numéro 74 que Laura partage avec le pilote suisse Cédric Freiburg-Ose et l'attaque d'Alain Ferté par l'extérieur. Oh là, qui vient jouer un peu des coudes et qui est passé devant Alain Ferté. Laura Kreimer qui ne montera donc pas sur le podium du classement général, mais qui montera sur le podium de la Silver Cup, puisqu'on a deux classements tout à fait distincts, Laurent. Oui, on a deux classements avec la Silver Cup, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui réunit un équipage entièrement silver, et un équipage pro-am, et du coup Alain Ferté et Grégoire de Moustier qui s'étaient déjà imposés hier. Et qui sont sur le point de faire la passe de 2 ce week-end en Allemagne sur cette Porsche Cayman du Energy by Hart. Et qui sont largement en tête avec pratiquement 30 secondes d'avance dans la catégorie Pro-Am. Ouais, Alain Ferté, il fait le job dans le relais final. Hein. Il a beau avoir des pneus qui sont quand même un petit peu usés, donc il n'a rien perdu de sa pointe de vitesse. Il est dans les chronos des leaders en fait, Alain Ferté pour l'instant, de Max Kubolt et de Nigel Moore, toujours séparés par 6 secondes environ. On joue très légèrement au yo-yo entre ces deux-là, mais pas de manière significative. Je pense que Max Kubolt est vraiment en phase de gestion. Il reste 2 tours maintenant avant le drapeau à damier. Et voici le Néerlandais qui peut venir gentiment terminer cette épreuve normalement. Nigel Moore qui doit gérer cette 2e place. 2 fois 2e, c'est pas mal hein, pour Nigel Moore et Matt Nicol Jones. D'autant qu'au niveau du classement du championnat, ça leur permettrait de terminer effectivement 2e aussi du championnat final. Ouais, on a les 2 premières places hein, qui sont identiques à celles d'hier. La différence est la 3e place, donc avec cette Porsche qu'on a à l'image, hein, celle d'Alain Ferté et Grégoire de Moustier, qui avait terminé 6e hier, mais qui s'était déjà imposé dans la classe Pro-Am. Et en
toujours James Holder pour l'instant devant Luke Brahms du côté de la catégorie Pro-Am pour la plus petite marche du podium. Attention toutefois parce qu'ils voient revenir petit à petit derrière eux la Porsche Momo Megatron Team Partrax de Bernhard Laber et de Nico Rindlisbacher. C'est actuellement Bernhard Laber qui est au volant mais qui est en train de revenir également sur Luke Brahms. Et en Am, la Porsche Autorlando encore. Oui, tranquille, hein, la force tranquille. 13e place de cette Porsche 997 Orlando de Giuseppe Ghezzi, Emanuele Mengozzi. Alors là, on a l'image, la 64 avec Matt Siljeok qui tente de revenir, mais ça va être compliqué à mon avis. Sur Reinhard Kofler qui est juste devant les deux KTM X-Bo qui sont actuellement 6e et 7e du classement général. Et on entame le dernier tour. Max Kubold qui va pouvoir gérer un avantage de 5 secondes dans ce dernier tour. Sauf catastrophe, et il n'y a aucune raison qu'il y en ait une, évidemment. Max Kubold et Ricardo Van der Ende vont aller chercher ce qui serait leur 5e victoire de la saison en 12 courses et le 11e podium. Ça, que dire de plus ? Sans faute, hein, de cet équipage de la BMW et Chris. Ils sont toujours rentrés dans les points. Paradoxalement, leur moins bon résultat, c'est à Zandvoort, chez eux, au bord de la mer du Nord, aux Pays-Bas. Vous avez terminé 6e. 6e, c'est leur moins bon résultat. Ouais. Il y a pire. Dans la course 1 de Zandvoort. Et pour le reste, effectivement, ils ont accumulé les résultats de choix. Largement champion. On devrait les revoir, Max Kubold et Ricardo Van der Ende, dans le cadre des deux dernières courses reprises au calendrier du championnat de France FFSA GT et de la Coupe européenne GT4, c'est-à-dire à Barcelone. Et puis sur le circuit du Paul Ricard, les équipes françaises sont prévenues. Elles avaient déjà pu le voir à Pau d'ailleurs. Ouais, avec cette voiture qui s'était imposée, qui avait gagné les deux courses avant d'être disqualifiée d'une des deux courses. Ouais, sur un circuit qui n'était probablement pas celui qui convenait le mieux à la longue et imposante BMW M4. Non, mais là aussi, l'homogénéité de l'équipage a aussi fait la différence. Du coup, à Barcelone et au Paul Ricard, on va voir si les Français vont rendre la monnaie de leur pièce à cette BMW. Ça va être un peu l'épouvantail en tout cas. Un petit peu. L'épouvantail, le duo qu'il faudra aller battre, Max Kubold, Ricardo Van der Ende, si des teams et des concurrents français nous écoutent actuellement, eh bien voilà, ils sont déjà au courant. J'en avais un à l'image. Ils sont informés et Alain Ferté sera effectivement informé, tout comme Grégoire de Moustier, l'équipe Energy by ART. Et voici donc la victoire de Max Kubold et Ricardo Van der Ende, le Ecris Motorsport. 5e victoire de la saison, rien à redire. Elle est largement méritée. Nigel Moore et Matt Nicol Jones furent loin de démériter. Ils terminent à 4 secondes 6. Comme hier, finalement, ils sont restés plus ou moins en embuscade. Mais il n'y avait rien à faire face à l'homogénéité de ce duo. Et puis, 3e position. Laurent, ça fait plaisir, ça. Ouais, ça fait plaisir de voir Alain Ferté et Grégoire de Moustier sur la 3e marche du podium, qui rafle en plus la catégorie Pro-Am. C'est un sans faute également pour cette... pour l'équipe française. Et donc du coup Laura Kraemer termine 4e devant Xabba Bor sur la McLaren. Grégoire de Moustier, Alain Ferté qui était déjà présent à Brands Hatch et à Zandvoort, les deux autres épreuves du championnat Nord comptant pour la Coupe européenne. Ils avaient terminé 2 fois 6e à Brands Hatch dans la catégorie Pro-Am, 4e et 3e à Zandvoort. Et ici 2 victoires donc dans cette catégorie. Ils montent en puissance dans cette catégorie Pro-Am avec une équipe Energy by ART qui apprend probablement à mieux exploiter aussi cette Porsche Cayman Club Sport MR. Voici le vainqueur de la catégorie des Am sur la Porsche numéro 76, Giuseppe Ghezzi et Emanuela Mengozzi. C'est Ghezzi qui termine la course. Nouvelle victoire pour cette Porsche et qui va du coup permettre à Giuseppe Ghezzi, qui était déjà champion, de fêter son titre sur la plus haute marche de ce podium. Et en Pro-Am, on va vérifier la lutte pour le titre. Et bien, en terminant 3e de la catégorie Pro-Am, Luke Brahms et Duncan Huisman arrachent finalement le titre de toute justesse dans cette dernière épreuve à Razvan Umbrarescu.
avait 2 points d'écart avant ce meeting, mais on a vu que Razvan Umbrarescu avait détruit sa portière. Le problème de portière aura coûté cher. Hein. Ouais, c'est lui qui avait provoqué, on va le revoir j'imagine lors d'Highlight. Laurent, c'est lui qui avait provoqué aussi l'incident hein, au niveau du premier virage. Il avait été un peu optimiste, Razvan Umbrarescu. Voilà l'ensemble des concurrents désormais qui auront donc reçu le drapeau à damier. Avec des prochains rendez-vous pour les épreuves GT4 dans le cadre de la Coupe Sud, que l'on appelle aussi le championnat de France FFSA GT. Ce sera déjà dans 2 semaines à Barcelone, Laurent. Nous y serons. Nous y serons. Et puis 2 semaines plus tard sur le circuit Paul Ricard. Nous y serons également. Nous y serons également. Max Kubol, Ricardo van der Ende qui s'impose donc devant William Moore et Matt Nicole Jones à 4 secondes. Alain Ferté, Grégoire de Moustier, vainqueur en Pro-Am, 3e à 25 secondes. Laura Kramer et Cédric Freiburgos termineront 3e de la catégorie Silver, 4e du Général devant la première des McLaren, celle de Zaba Moore et Finlay Hutchinson qui était monté sur le podium hier. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Et puis nous avons une autre KTM en 6e position. La 14 d'Enke Angermeyer et Reinhard Koffler. Et voilà, Max Kubolt. Bravo messieurs, rien à redire, tout simplement. Sans faute hein, pour cette équipe néerlandaise. On verra si cette BMW aura également son mot à dire la saison prochaine. Du fait de l'arrivée d'une nouvelle BMW développée là ce coup-ci directement par le constructeur. Bah, il n'y a pas de raison, hein. On l'a dit, puisque le niveau de performance global ne devrait pas changer. Il n'y a aucune raison pour que cette voiture ne soit plus dans le coup. Cette BMW M4 et Chris Motorsport. Voiture développée en privé donc. Mais évidemment, en respectant cette fameuse balance de performance et le respect. On va aller retrouver les vainqueurs d'ailleurs, en compagnie de Dakota. Ouais, ça a été une domination totale ce week-end. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, oui, on est très heureux. 2 pole positions, 2 victoires, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça. Vous étiez impossible à stopper ici. Oui, on a une bonne combination, on a une bonne équipe. Il y a eu beaucoup de travail parce qu'on a développé la voiture nous-mêmes, on l'a construite nous-mêmes et on est très fiers de notre produit maintenant. Merci Chris, nous dit Ricardo van der Ende. Évidemment, la satisfaction doit être d'autant plus importante. Hein. On l'imagine, Laurent. Ouais, c'est forcément... Quand il y a forcément tout positif voilà, pour une équipe privée. Hein. C'est pas une équipe qui a de gros moyens. On n'a pas beaucoup de BMW et Chris qui roulent. Donc du coup, peut-être que ça va séduire d'autres équipes à investir dans cette voiture. Et on va retrouver de nouveau Dakota Jane. Deuxième, c'est un bon résultat. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, on est très très heureux. Matt Nicol a fait vraiment du bon boulot, nous dit William Moore. Ça a été du bon travail en tout cas. Est-ce que vous pensez que vous avez fait un job fantastique? De la 7e place à la 2e place au départ, c'était vraiment bien. On est 2e dans la catégorie des pros, en tout cas la catégorie Silver, nous dit-il. Ils ont fait un bon week-end également, Matt Nicol Jones, auteur d'un excellent envol. Et puis William Moore derrière. On a parlé de Nigel Moore, je crois, pendant un moment, parce que c'est un autre pilote. Oui, mais c'est oui, bien oui, William c'est Moore. C'est bien William Moore. Autant pour nous. On nous tend des pièges dans ce championnat GT4. Autant pour nous. C'est bien William Moore, toutes nos excuses. Allez, voici Laura Kramer. Et vous avez l'air tellement heureux de ce résultat. Oui, oui. Oui, on a travaillé beaucoup. Je suis vraiment très heureux. La BMW était impossible à stopper ici. Oui, oui. Il a maintenu la pression et on verra ce qu'il en est l'an prochain, nous disait le Suisse. Alors, ce n'était pas Alain Ferté et Grégoire de Moustier comme sous-titré, vous avez bien reconnu. Ah bon. Mais bien Laura Kramer, donc, et son équipier sur la KTM numéro 74, Cédric Freiburghaus, le pilote suisse. Alors, désolé, on n'a pas compris à 100% parce qu'il y avait une sirène derrière qui hurlait au moment du départ. La sirène qui indique le départ. On revoit d'ailleurs le départ. Ubran
Razvan, pardon, Umbra Rescu, qui se loupe quelque peu, qui touche Ander Villarino, qui touche lui-même Marc Bassin, les trois Porsche seront contraintes à l'abandon. C'était chaud derrière, notamment avec Julien Darras sur l'Aston Martin. Et voici la Porsche donc de Razvan Umbra Rescu, complètement arrachée. Quant à Ander Villarino, c'est avec une roue qui n'est plus tout à fait droite. Il va falloir refaire la géométrie, je pense, dans le clan TFT Racing. C'est l'abandon. Malheureusement, là aussi, sortie de la safety car avec une Maserati mal positionnée dans le bac à gravier. Et puis, à la relance, une belle bagarre, notamment avec ces deux Porsche de Jörg Wibban et de Nico Rindlisbacher que l'on voit sortir de la voiture ici. Pit stop assez tardif pour Ricardo Van der Ven et Max Kubold qui repartent largement en tête néanmoins devant cette Aston Martin de William Moore et de Matt Nicol Jones. Matthew George avait réalisé un excellent début de course sur l'autre Aston Martin, celle de Génération MR Super Racing, mais quand James Holder repart, il est derrière Ricardo Van der Ven. James Holder qui va se faire passer successivement par William Moore, puis par Laura Kramer, on l'a d'ailleurs ici à l'image. Et alors, qui voici Alain Ferté, auteur d'une fin de course absolument remarquable pour aller chercher la troisième place du classement général, mais surtout la victoire dans la catégorie Pro-Am. Voilà, il double ici James Holder. Il s'empare de la troisième position. Alain Ferté derrière James Holder est attaqué et doublé également par Matt Siljeauk, mais il pourra répliquer un peu plus tard. Et puis Alain Ferté qui avale ici Laura Kramer en une manœuvre absolument imparable pour s'emparer de cette troisième position donc du classement. Et voici le podium et la victoire. Ecris Motorsport, Max Kubold, Ricardo Van der Ende, les champions ont terminé la saison en force. Ils ont marqué des points importants aussi pour la Coupe européenne. Et donc du coup, cette Coupe européenne, enfin ce championnat d'Europe Northern Cup est terminé, puisque c'était le dernier meeting. La Coupe Nord, mais il y a encore la fameuse Coupe européenne comprenant trois épreuves du Nord et trois épreuves du Sud. Et là, il reste deux épreuves du Sud forcément. Avec Barcelone dans deux semaines, l'unique déplacement hors des frontières de la France pour le championnat de France FFSA GT ou GT4 European version sud. Et puis d'autre part, le meeting du Paul Ricard qui terminera la saison GT4 européenne. Voilà Laura Kramer, la jeune autrichienne et le non moins jeune pilote suisse Cédric Freiburg-Hause. Deuxième place, William Moore et Matt Nicol Jones. Et la victoire, une fois encore, pour Ricardo Van der Ende et Max Kubold. C'est le podium de la catégorie Silver ici. Et le point serré, le point levé pour Ricardo Van der Ende et Max Kubold qui saluent leur drapeau, le drapeau des Pays-Bas. C'était l'hymne national néerlandais que l'on vient d'entendre, Wilhelmus. Si vous le dites. Oui. Avec chaque hymne national a son nom. Et dans le cas des Pays-Bas, c'est le Wilhelmus. C'est joli, non? Ça vaut bien la Marseillaise. Oui, aucun doute. Ou la Brabançonne. Ou la Brabançonne pour la Belgique. Effectivement, William Moore, Matt Nicol Jones, deux fois deuxième. Ah, il y avait cette BMW Ecris qui était au-dessus du lot ce week-end, mais pour le reste, ils ont vraiment réalisé un très très bon week-end, William Moore et Matt Nicol Jones. Est-ce qu'on les reverra du côté de Barcelone? Pourquoi pas? Ce serait sympa. Ils auront marqué des points importants en tout cas aussi. Oui, surtout comme la saison est terminée. Et ils sont vice-champions Nord. Hein, dans ce championnat, du coup, ça permet à l'équipe, aux équipes du coup, de venir clôturer la saison en beauté, donc avec deux autres meetings à Barcelone et au Paul Ricard. Surtout que ce sera, surtout à Barcelone, un meeting bien garni avec la Blancpain Endurance Cup qui tiendra sa finale également là-bas. On aura la Porsche Carrera Cup France. On aura vraiment... Championnat de France de Formule 4. Exactement, donc on aura beaucoup de championnats. Le Blancpain GT Sports Club. On risque de commenter pas mal de courses là-bas, Laurent. Surtout vous.
vous aussi. Ah. Vous aussi. Et Matt Nicol Jones, William Moore, on compte sur vous. Qui termine donc, on vous le disait, vice-champion finalement, alors qu'ils étaient arrivés ici avec un retard assez conséquent sur de 22 points sur Lennart Marionnek. Mais Lennart Marionnek, lui, a vécu un week-end à oublier au plus vite sur la KTM. Ce fut effectivement assez compliqué pour Lennart Marionnek, qui avait été contraint à l'abandon hier notamment. Et aujourd'hui, où en est-il Lennart Marionnek, Laurent? Il est loin parce qu'il a écopé d'une pénalité. Allez, le podium maintenant de la catégorie Pro-Am, avec la troisième position de Finlay Hutchinson et Zabamore. Non, pardon. Autant pour moi, c'était la McLaren, c'était l'autre McLaren de Luke Brands et de Duncan Huisman qui termine troisième. La Porsche numéro 15, Schwinn Motorsport de Rudolf Schulte et Dominik Schrammel deuxième. Et la victoire pour Alain Ferté et Grégoire de Moustier. Mes excuses envers Luke Brands et Duncan Huisman qui sont un peu plus âgés aussi que le jeune Finlay Hutchinson que l'on avait vu sur le podium Silver hier. Et la voici, cette Marseillaise pour l'équipe Energy by ART. Et la remise des trophées pour le Las Moras Racing, qui est en fait associé à l'équipe Verscure, hein, qui engage Finlay Hutchinson et Zabamore. Et voici le chouet de Motorsport, Rudolf Schulte et Dominik Schrammel. On aura des regrets hein, quand même de ne pas avoir vu Marc Basseng et Philippe Baeke jusqu'au bout. Ouais, mais bout. Ils ont quand même bien fait de venir du coup en GT4, ce nouveau team, avec ces deux Porsche Cayman. Du coup, ça permet de repartir avec un podium. Il est clair que bon, Marc Basseng au premier virage a dû stopper sa course prématurément. Mais c'était leur première apparition en GT4, un premier podium. Marc Basseng qui est impliqué dans ce team au-delà du simple fait d'être pilote. Oui, exactement. Donc, Marc Basseng, on le reverra hein, de toute façon dans d'autres championnats, notamment sur la Nordschleife, championnat VLN, qui n'a pas terminé sa saison, lui. Voilà, bravo messieurs, en tout cas. Et Alain Ferté, regardez. Alain Ferté sur le podium, il est toujours aussi heureux que c'était le premier. Ouais. Ah, il reste d'un enthousiasme à Alain Ferté, qui apporte ici son expérience à Grégoire de Moustier notamment. Et puis une certaine pointe de vitesse aussi pour un pilote. Ah mince, on l'a vu encore en fin de parcours, où il était pratiquement dans les temps des leaders. Ouais, c'est un petit peu le Belgian Audi Club Team WRT hein, qui l'a relancé Alain Ferté en GT, aux 24 heures de Dubaï notamment, où il était venu prêter main forte de par son statut de pilote bronze, et Alain Ferté justement sur une course il de 24 heures. Imposé. Exactement, il n'avait rien perdu de sa pointe de vitesse et avait gagné avec l'Audi R8 LMS. Avec Lorenz Vanthoor, avec Stuart Leonhardt également qui était l'un des pilotes. Il me manque, c'était pas Michael Meadows qui était, je ne sais plus, qui était le quatrième, mais en tout cas ces trois-là à coup sûr, ce sont les 24 heures de Dubaï 2016 qu'Alain Ferté avait remporté. C'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Merci Laurent pour cette mémoire décidément infaillible. Et le podium maintenant de la catégorie des âmes, avec la nouvelle victoire au Orlando Sport, la 76 de Giuseppe Ghezzi, le champion donc Emanuele Mengozzi. Et cette fois c'est l'hymne national italien que l'on écoute. Nicolo Schell, Joachim Bolting, deuxième sur la Porsche Allied Racing. Et avec Sassin, Ivan Vlashkov. Dommage qu'il y ait eu speed stop. Sinon, on aurait pu voir la victoire du Bulgare, Ivan Vlashkov, sur la voiture bulgare, la Sincar Sin R1 GT4, c'est son nom exact. Ouais, voiture qu'on voit pas beaucoup dans les différents championnats GT4. On a un modèle routier qui est exposé au sein du paddock. Une voiture assez atypique.
Voilà, félicitations messieurs. Alors le programme des épreuves GT sur ce Nürburgring est loin d'être terminé, Laurent. Oui, parce que nous on vous retrouvera pour la finale Blancpain GT Series version sprint. Ça promet d'être assez explosif hein, là aussi. Oui, parce qu'hier on a connu une course assez animée et du coup comme le titre n'est pas encore joué, cette course sera primordiale. Un titre qui est très très loin d'être joué effectivement avec 7 points de différence entre les leaders pour l'instant. Donc soyez là, soyez avec nous pour ce rendez-vous. Merci Laurent Mercier d'avoir été avec nous. Merci Thomas. Alors le départ de la course sera à 15h30. On vous retrouvera quelques minutes auparavant. Merci. Merci, bye bye.